Le parti politique Parasol a applaudi des deux mains la prestation du président de la République lors de la 72e Assemblée nationale de l'ONU. Face à ce constat, Yvon Bonhomme, porte-parole du parti politique Parasol, invite la population à se ressaisir et ne pas se laisser manipuler par un petit groupe qui veut plonger le pays dans le chaos. Parti politique Parasol, qui s'est patriote rassemblé pour sauver la caille, a applaudi avec toute force. Belle prestation, président République la Jovenel Moïse, dans Nations Unies, dans l'occasion 72e anniversaire institution ça, côté que Haïti lui-même, li se youn, nan membre fondatrice institution si la. Parti politique Parasol a félicité président République la pour façon que l'été adressé problème ministère. Problème choléra, problème tout, ça, ministère qui était pour nous comme passif, qui c'est cas déjà sous jeune femme, cas déjà sous jeune garçon, avec choléra et latrier. Parti politique Parasol a lancé un signal à la population haïtienne, à différents mouvements qu'a fait dans le pays, pour dire l'ouvrige, parce que en pile fois, mouvement a fait, vle pas la téléphone de Choukeli. C'est un petit groupe qui travaille pour l'instabilité politique. Et l'instabilité politique, là, il n'y a pas l'autre atout qui s'est mis le peuple dans la misère. Il y a un peuple, il y a un leader, il y a une organisation, il y a un parti politique qui défend le peuple. Pas de droit de bataille pour la stabilité. Il faut qu'on quitte le petit peuple à l'école. Pas qu'à chaque coup l'école ouvre pour les gens de même monde. Jean ont fait récemment. Et c'est même eux, même dans quoi journée aujourd'hui. Après la quantité de désordre que vous avez fait sous pouvoir président privé, eh bien, journée aujourd'hui, vous voulez remettre le pays dans la même situation chaotique. Là. N'a pas dit population, non, non et non. Budget 2017-2018, là, même gens avec toute œuvre humaine, budget 2017-2018, là, il n'y a pas une œuvre qui est parfaite. Mais nous reconnaître loi finance 2017-2018, là, dans le droit financier, il résout en grande partie le problème professeur de l'école. Il résout en grande partie le problème employé de la santé. Il fait menti. Il dit qu'il y a un passeport 2500 gouttes. Mais il dit à la population, attention, ce n'est pas taxé ou taxé passeport, ni mettre plus de sur passeport. Ou tu as un passeport qui t'écoute. Qui te conduire de temps 5 ans et qu'on a conduire de temps 10 ans, ça vient faire gagner, on dit plus qu'il a ajouté sous cop passeport. N'a pas dit population haïtienne non. Cette question de dire, ou pral payer 500 gouttes pour carte électorale, en l'autre fois encore, c'est menti. N'a pas dit population haïtienne non, ça qu'a fait journée aujourd'hui, c'est résultat, conséquence, bataille président a mené contre corruption. Le coordonnateur du Front Unité Nationale, Fritz Gustave, a pour sa part qualifié de complot les séries de manifestations de l'opposition qui visent à plonger le pays dans l'instabilité. Fritz Gustave apporte plus de précisions. Messieurs, prend budget comme un prétexte. Il est vrai, budget a une faille. Il y a corriger parce que nous ne prenons compte son pays. Et nous gagnons, pays à pas pour un seul monde, pays à pas pour le président Jovenel, li pour nous tous. Mais le président Jovenel ouvre boile tout, by tout le monde qui est capable de venir pour nous dialoguer. Là où on dialogue, ce n'est pas dans la manifestation, ce n'est pas dans la faire grève. Parce que là, on fait manifestation, et il y a des gens qui sont au jour le jour, ils mangent. Là, on fait grève, il y a des gens qui ne sont pas au travail. Si vous n'avez pas à l'école, regardez qui j'ai éducation, c'est rabâché, la rabâché. Parce qu'un exemple très clair là, exemple très clair, et descend l'école, ce composé là, c'est 0% au fait. Et même de même que je dis, notamment des peuples haïtiens, comprendre tout le monde qui passait là, te dirigé pays d'Haïti déjà. Maintenant, m'attendez sur Radio Caraïbes, sénateur et Simon Diessel de là. Qui était ministre environnement. Nèg ça l'altal nan scoop sénateur ça bon Dieu, il t'ai crié, il t'ai marré tête à mouchoir rouge, il criait, il t'ai dit c'est sénateur Wanik
qui te tué Mac Dizay. Et puis, jodi a, li te chef, il va prendre sous privé, le ministre, il va faire rien, il va ceci. Et puis, jodi a, pour m'attendre, sénateur Cap, récrion l'autre. Sans quoi, mes amis, mais soyons sérieux, monsieur. Ça, il faut que nous gagnions dignité d'homme. Est-ce que vous comprenez? De même que pour le sénateur Yuri Latoti. Je connais son grand intellectuel haïtien. Mais il y a son grand intellectuel, pour ne pas utiliser l'intellectuel là au détriment du peuple haïtien. Parce que autant que vous utilisez l'intellectuel ou gagnez au profit du peuple haïtien, dites bon, parce que sénateur Yuri Latoti. Les chefs d'EPI sous Gérard Latortue, ils viennent secrétaire d'État, ils viennent conseiller président Matéli, l'aile conseiller président Matéli a gagné 10 millions de dollars. Gagné 10 millions de dollars. Qui était là et SIH était metté là pour te construire le Parlement. Et bien avec l'agence EIH, te mette pour te construire parlant. Yo pa jam construire aucun parlement et parler nèg yo parler plus, gorge yo pi gros parce yo manger 10 millions de dollars pour yo ka parler. Mais koun ya nan même budget ça encore, yo retiré 7 milliards pour Sénat. 60 millions de dollars pour al construire on l'autre building encore. Bon, si peuple la tap mande rapport mes amis. Bon, faut nous ta on lè, faut nous ta bay peuple la rapport oui. C'est pas leader ça yo parce que ça fait peuple a pas joindre justice. C'est parce que c'est même les leaders ça yo tout dirigé déjà, yo bail peuple a compte menti et mais c'est ça fait président Jovenel. Vini nèg yo connaît président Jovenel avec il te fait avec terre, l'eau, soleil là. Il bral faire agriculture à marché. La mairie de Cité-Soleil a procédé ce mardi 26 septembre à la cérémonie de pose de première pierre des deux passerelles à Cité-Soleil. L'une sera située à Carrefour Brooklyn et l'autre au Carrefour Vincent. Une grande activité s'est réalisée en cette occasion, puisque cette journée de pose de première pierre est coïncidée avec l'anniversaire du maire titulaire de Cité-Soleil, Jean-Islain Frédéric, qui a profité de l'occasion pour présenter le bilan des travaux déjà réalisés par la mairie de Cité-Soleil. Des travaux administratifs très durs, je dis à nous, devant le peuple Cité-Soleil là, pour poser première pierre ça, et que je dis à nous poser une première pierre de deux passerelles qui sont une dans le Carrefour Brooklyn, l'autre là dans le Carrefour Vincent. Depuis que nous dans cette mairie, nous toujours pensé à réaliser des bagailles que nous n'avons pas réalisé déjà. C'est-à-dire de dire non à la mairie Pérol là. Donc nous pas qu'à dans une mairie où chaque mois, c'est nous qui travaillons seulement, qui bénéficier comme taxe citoyen. Nous-mêmes nous disons non, ça pas normal, ce pas normal. Sur presque toutes les lèvres des habitants de Cité-Soleil, on écoute ce refrain « Mairie Pérol, Mairie Pérol ». Si on veut sillonner la commune d'un bout à l'autre, il est difficile de trouver un poteau qui a été planté par la mairie avec une gourde des impôts et taxes payées par la population. Depuis le 1er juillet, date de notre investiture, malgré les nombreuses difficultés d'ordre intellectuel, avec l'aide de Dieu, nous avons réalisé plus de 10 projets sociaux. Financement de petites entreprises, 60 bénéficiaires. Cours de rattrapage municipal, 950 bénéficiaires. Orientation universitaire, 1200 bénéficiaires. Préfac d'excellence, 225 bénéficiaires. Et quand la mairie du programme Crasé Gregou, 1100 familles bénéficiaires. Elles ont reçu plus de 200 000 livres de nourriture pendant 30 jours. Plus de 15 millions de gourdes issues des fonds de la mairie ont été injectées dans la population. Cependant, nous n'étions pas satisfaits au niveau du conseil municipal et des cadres de la mairie, car ces projets, bien que très profonds pour la plupart,
il constitue un investissement pour le long terme, car ces mélodications s'attendent à récolter le développement, mais ils ne sont pas visibles. Réaliser un projet de construction de la commune qui peut être utile pendant plusieurs décennies a été notre rêve le plus cher. Les travaux ont été déjà démarrés 6 mois après notre investiture. Études, plans et autres étaient déjà prêts. 3 mois après, aujourd'hui, tout est fin prêt. Les travaux vont démarrer immédiatement après cette cérémonie. Dans 6 semaines, grand maximum, la commune aura 2 jolies passerelles. Les syndicalistes de l'aéroport international Toussaint Louverture ont exprimé leur satisfaction car les employés de Red Cap ont été réintégrés à l'aéroport international. Désormais, ces employés seront vêtus de chemises grises et de cravates noires, affirme Derival Fanelus. L'élection qui était faite 4 décembre. L'élection faite, moi élu avec une majorité absolue. Alors, selon le règlement interne syndicat, si le syndicat a gagné 100 combien de monde, pour venir dans la tête, c'est l'élection pour faire pour voter pour venir dans la tête syndicat. Exact, élection faite, mais il y a Alexis Batol qui te dit l'a fait campagne pour M. Fednel, mon chéri. Alors, il dit, il nomme non. Alors, l'autorité, des fois, les gens qui prennent non pour utiliser sans que lui-même ne soit même au courant de ce qu'il a fait. Là. Alors, tout côté Alexis Batol arrivé, il dit toujours c'est Alexis Jovenel et Fednel, mon chéri. Mais le gouvernement n'est pas rentré dans la démagogie que M. a fait. Les vins si la trouble à l'aéroport aujourd'hui. Nous remercions l'autorité à l'aéroport et la police qui est en là, qui prend les mesures nécessaires côté arrêter quelqu'un. Il a voyé au tribunal d'une façon pour la justice trancher contre Mounsaï.